Yo tout le monde les amis, c'est Salion, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour découvrir un nouveau Minecraft. Je précise que ce Minecraft est sorti il y a assez longtemps, mais c'est un jeu qui comporte déjà des schedules, qui comporte vraiment beaucoup de choses. Je prends mon clavier à une main, les amis. Bon, je crois que je peux jouer manette aussi, ouais. Je prends mon clavier à une main, les amis. C'est ouf quand même, réussir à tenir le jeu, parce qu'il est vraiment... Il bouffe pas mal. Donc on va couper du bois, les amis. On peut rien faire, on peut juste en fait un jeu... d'exploration, voilà, on peut juste explorer. Après je me dis quand même que le jeu est assez bien fait quand même. On a toujours des trucs un peu bizarres. Oh, l'animation qu'il y a eu avec la hache, elle était très belle. Quand on mine, on regarde un peu ce que ça fait. Moi ce que j'aimerais la trouver, c'est soit des mobs ou directement de l'eau ou même des grottes. Voir un peu comment le son, etc, etc. Bon, bye. Allez, ici, il y a une petite montagne. On va essayer de creuser dedans pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est parti. Miner de la pierre pour voir un peu comment ça fait à l'intérieur quand on est totalement dans le noir complet et absolu. Pardon. Ok, donc en fait, on peut jamais être dans le noir complet. Tout simplement qu'en gros, il y a... comme si on avait night vision, quoi. Alors quand même l'animation avec la animation qu'ils ont donné aux items n'est pas non plus dégueulasse. Alors ce qui est sympa, c'est aussi on peut entendre des voilà des sons d'oiseaux, etc, et c'est très très bien. Oh, du brouillard, c'est très très bien ça, une sorte de brouillard un peu pas épaisse mais elle est sympa. Ils ont ajouté un petit du petit brouillard, c'est ça, fait ça rend le jeu un peu plus mieux, je sais pas. Moi j'aime bien le petit brouillard qu'ils ont rajouté. En fait, à mon avis, ce qui fait qu'il est gourmand, c'est pas les blocs, c'est à mon avis les shaders. Ce qui, de toute façon, c'est ce qui bouffe le plus, c'est les shaders, les ombres. Quand on voit la barre quand même en bas, on se dit qu'on a que des cœurs. Une ancienne version de Minecraft. Moi, je veux voir s'il y a des dégâts de chute, si on peut se faire mal. Allez hop, c'est parti. Non, ok, bon bah y a pas eu dégâts de chute, donc ce qui est dommage. Si vous voulez aussi d'autres de vidéos dans ce genre où je teste un peu des jeux Minecraft qui copient Minecraft en vidéo, bah, dites-le moi. J'avais déjà fait une série à l'époque sur mon ancienne chaîne qui avait très 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 bien plu. Donc si vous voulez que je la refasse, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse sur la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous fait extrêmement plaisir, etc. Si vous voulez que je continue la série, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse. Portez-vous bien. Bye bye.